monde, c'est bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma 3 aujourd'hui. Nous sommes en dépanneur, voilà la gendarmerie qui passe. C'est la... Ah bah si, il y a quelqu'un. Ça doit être la gendarmerie. Bonjour. Ça se passe bien? Ça se passe, pourquoi? Non, comme ça on a cru que votre véhicule était abandonné. Non, j'étais juste en pause là, 2 secondes. Ok, ça marche. En petite pause, ouais. Bah je vais vous laisser. Pas de problème. Bonne journée. Bonne journée. Ah bonjour. Bonjour. Dites-moi, monsieur Delpin, c'est le seul qui fait les formations? Ben, il faut postuler, monsieur. C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. Votre candidature a été mise sous attente? Il m'a dit de passer une formation, mais les jours, il est disponible. En fait, moi, je suis pas trop disponible. D'accord, il vous a dit de passer une formation. D'accord. Et en fait, le jour où il est disponible, moi je suis pas vraiment là quoi. Je pourrais lui en parler après. Moi j'ai les bases, je peux vous expliquer, mais le truc c'est que j'ai pas l'autorisation pour le moment. Maintenant, après, si j'arrive à essayer de le contacter, il y a moyen. Il est disponible, je suis en train de lui parler depuis tout à l'heure en fait. Ah, il est actuellement disponible. Alors écoutez, moi je veux bien vous faire une petite formation là maintenant si vous voulez. Il n'y a vraiment pas de problème. Il faut juste que j'ai l'accord de monsieur Delporte. Voilà, simplement. Alors attendez, je vais juste essayer de lui demander. Monsieur Delporte, je le connais, je sais pas d'où. Ah bon? Du coup, comme je disais, les amis, on va peut-être faire une formation, ce serait vachement cool d'ailleurs. Donc voilà, nouvelle vidéo Arma 3, Terrain for Life, tranquillement. On est reparti. Oui, du coup, écoutez, moi je sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir juste une réponse, monsieur. Hop. Tac. Ok. Après voilà, moi je regarde un petit peu si monsieur Delporte m'envoie pas de message, mais pour l'instant je n'ai rien. Je suis en train de lui écrire. D'accord. J'arrive, je vais juste m'acheter à boire et à manger, monsieur. Hop. Juste fermer mon véhicule, peut-être ce sera mieux. Hop. Ouais, du coup, ce serait cool, les gars. Donc, si on arrive à faire une. Ah, ils ont modifié. Ah, c'est nice. Ça marche. Ouais, si c'est parce que ça vient du créateur Charlie. Donc, ça sera certainement résolu. Il y a eu des petites modifications là, il me semble. Je sais pas. Je vais travailler. Des modifications. Non, je sais pas, je pensais que le magasin avait été changé, mais j'ai dû rêver. Bah oui, du coup aussi, là, il n'y a plus de magasin, il n'y a que le garage. Ah oui, bah c'est ça. Effectivement. Là, c'est voilà. Ça, c'est ça. Bon bah, je vais vous laisser. Ouais, bonne journée. Hop. Alors. Magasin. Parce que la main souris. Là, on va s'acheter un kit de premier secours et un triangle. Le reste, normalement, j'ai. Hop, alors on va voir si le monsieur, là, il a trouvé... Mais lui, il est dangereux. Monsieur. Ah. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Attendez. Oui. Excusez-moi, vous pouvez me déposer au concessionnaire Audi? Attendez, je regarde sur ma... Ah ouais, vous êtes... ouais, oui, à moi. Ouais, je suis désolé, hein, je suis... Attendez, monsieur, attendez. Pas de soucis. Monsieur? Ah ouais, déjà. Vous avez une réponse? Négatif, je lui ai demandé, bah, comme... C'est-à-dire comme par hasard, quoi, ça se fait pas, mais il m'a pas répondu, quoi. Ah, il est en train de m'écrire. D'accord, très bien. Après, c'est vrai que monsieur Delporte n'est pas souvent sur l'île en ce moment, même presque jamais. C'est vrai que quand il est là, il est souvent, il prend pas son service. C'est vrai que moi, je prends beaucoup plus mon service que lui. Donc voilà. Attendez 2 secondes. Hop. Il a dit qu'il allait vous écrire. Oui, il m'écrit. Il est effectivement en train de m'écrire. Je vais juste voir. Par contre, où est-ce qu'il est parti, mon client là? Ah, il est là. Ouais, monsieur. Oui. Vous pouvez. Tu peux essayer de la faire la formation de 6 mois et 25. Je peux faire votre formation à vous deux si vous voulez, les gars.
Volontiers. Moi, il faut juste que j'aille me changer parce que là, comme ça va pas. C'est pas une tenue de travail, hein, moi je dis. Hein. Mais non, mais en fait, quand j'ai quitté l'île, j'étais pas habillé comme ça. Et quand j'ai revenu, j'ai dit comme ça, sans véhicule, sans plus rien, quoi. Ah, vous avez bien. Donc, il y a bien Monsieur Simon et Monsieur Vincent, c'est ça? Affirmative, tenez mieux. Ah, oui, je viens de recevoir. D'accord, merci. Monsieur Rattler, lui, et Monsieur Snow, du coup. Permis poids lourd. Vous avez le permis poids lourd ou pas? Par contre. C'est pas grave, je vais pas vous laisser conduire, je vous ferai juste la formation pour pouvoir mettre sur le plateau, etc. etc. D'accord. Je vais juste aller acheter le permis poids lourd, moi, parce que ça c'est fait. Oui, je peux vous amener sinon, venez avec moi dans la voiture. Allez avec lui, il y a toute place. Moi je vais aller à la friperie me changer des tout. D'accord, ok. Alors, du coup, les gars, ça c'est vachement sympa. Oh, bah, du coup, ce n'était pas prévu, mais on va faire ça comme ça, les amis. Ah. Merde. Et ça comme ça les amis, c'est aussi bien parce que je vous explique aussi en parallèle de ça, j'ai posté. Désolé monsieur, hein, je parle à ma GoPro, vous inquiétez pas. Je sais, vous inquiétez pas. Moi personnellement, quand je parle à ma GoPro, je me mute. oui, mais après moi je sais plus trop si alors, je suis mute donc... ou pas, donc voilà, je préfère pas me mute. Ouais. Nous, on va aller le rejoindre à la friperie. Ah, ils ont mis des poteaux pour pas qu'on se mette là. Et donc, on va faire la petite formation, ça fait cool pour la vidéo, les amis. Pour devenir dépanneur. Voilà. Intéressant. Dépanneur et dire. Parce que c'est les deux ensemble. Du coup, il y a monsieur Snow qui est là, qui vient de traverser la route. Et il y a moi dans la petite voiture dire là. C'est quoi comme voiture ça? C'est une Renault. Une Renault quoi ça? C'est un Kangoo. Non, c'est pas un Kangoo. Si, c'est la nouvelle version des Kangoo. C'est la nouvelle version des Kangoo. Oui, c'est un Kangoo en fait, voilà. Oui, c'est. Et du coup, j'ai postulé et j'ai eu ma réponse là tout à l'heure. Quelques minutes. Je vous en prie, monsieur, rentrez. Il y a que deux places. C'est pour aller où? Pour aller acheter le permis, c'est ça? Moi je l'ai le permis, Paulo, c'est bon. Ah oui, il y a que deux places, mais oui, par contre, comment on va y aller après? Vous avez assez d'argent pour acheter le permis, Paulo? Attendez, je crois qu'il peut deux. Est-ce que quelqu'un aurait une voiture? Mais non, écoutez, je vais. Attendez, je vais aller m'acheter une voiture vite fait. Oui, ou un quad ou quelque chose. Le quad, il faut, ouais, d'accord. Par contre, c'est de l'autre côté, les voitures. C'est pas très grave. Monsieur Snow! Ah mais non, il a raison, c'est là-bas. Ça a changé, monsieur. De quoi? Ah bah oui, juste. Oui, là-bas, c'est plus que le garage. Et oui. Juste, y'a personne, okay. Non, c'est bon, je peux y aller. Vous voyez, l'intérieur, la voiture quand même qui est vraiment magnifique. Voilà. Hop. Je pense que pour nos prochaines. Quand je prendrai ma GoPro, ce sera mieux pour tout le monde. Donc voilà, du coup j'ai posté ma candidature forum, tout ça, et j'ai été accepté là il y a quelques instants. Du coup, monsieur, comment monsieur? Monsieur Walker. Monsieur Walker va nous faire notre formation, parce qu'il est, bien aimable. Et ensuite il m'emmènera gentiment au concessionnaire Audi pour que j'aille acheter ma voiture. Voilà. Ouais, enfin ça on verra, hein. Ah bah d'accord, il a dit oui, maintenant il a dit non. Voilà, je rigole. Ah, je vous remercie, monsieur, je vous remercie. Ça vous dérange si je vous tutoie? Absolument pas. Hop, du coup, hop, nous on attend le monsieur là. Voilà, petit véhicule dire. Puis on verra. Voilà, il a sorti une voiture. Remontez dans le véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Pas mal, on vous présentera plein de choses. Ouais, je suis là. Merci, c'est gentil. Pas de soucis, c'est normal. Petite Megane Estate. Ah bah ouais. Pour information, si vous avez une radio, vous me mettez sur la 450, comme ça c'est plus facile pour parler, d'accord? Oh, putain, j'ai vraiment plus rien sur moi, c'est quoi ce bordel? Retournez vite au magasin, du coup, on va vous attendre. Ça m'énerve. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai tout dit, ça m'énerve. Vous êtes peut-être mort. Non, mais pas ça. Vous avez une radio, vous? Ouais, j'ai une radio. Très bien. Et écoute. Ok, nickel. Donc, on va l'attendre, du coup. Bah oui, hein, tranquillement. Bah oui. Tranquillement. Bon, j'imagine qu'il y a une
Une tenue pour les dépanneurs? Oui, mais en tant qu'apprenti, on ne donne pas les Oui, tenues. non, mais oui, non, mais je suis d'accord, c'était juste Bien simplement évidemment, il y pour a une tenue. Celle que j'ai sur moi, c'est pour la dire, par exemple. C'est pour ça que je patrouille en dire en ce moment. D'accord. Après, il y a celle de la SDR, hein. Donc c'est celle pour la dépanneuse. D'accord. Donc le plateau. D'accord. Alors en général, personnellement, moi je patrouille en petit véhicule dire, pas le gros master avec tous les panneaux dans tous les côtés parce que ça ne sert à rien. Et si on nous demande d'intervenir, je demande toujours si le véhicule est très endommagé ou si c'est simplement une roue à changer. Parce que si c'est simplement une roue à changer, on vient avec la dire. On a une roue dans le coffre toujours de Oui. rechange. Donc on peut facilement changer une roue. Après, si le moteur est touché, malheureusement, il faut le ramener au QG, faire une révision, réparer, etc., etc. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. D'accord. Du coup, on va aller là-bas. Mais je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail après. Ne vous Oui, inquiétez non, mais y a pas. pas de souci. Ah, je comprends pas trop là. Y a un côté où il y a un peu, mais vous voulez pas le faire. Oui, c'est des travaux qui sont en cours, c'est pour ça. C'est pas grave, ils sont pas encore synchronisés partout, venez avec moi. Par contre, un peu haut, je sais pas si c'est dur à faire ou pas. Je suis d'accord avec vous, ils sont longs. Hop. Tac, tac, tac. Et donc, vous êtes nouveau ici? Je suis arrivé il y a 2 semaines sur l'île. Ah ouais. Et Ouais. qu'est-ce qui vous a donné un petit peu envie de devenir un petit peu dépanneur là? Parce que du fait déjà que j'étais. Je Oh, excusez-moi, je reprends. J'ai jamais été dépanneur d'une base. Ouais. Ensuite, j'aime beaucoup aider les gens. L'entraide, c'est un de mes points forts et c'est quelque chose que je ne peux pas passer. Clairement, D'accord. l'entraide, c'est quelque chose de clé pour moi. Ensuite, tout ce qui est de la conduite, bah, j'aime ça. Donc voilà. Et en fait, j'avais postulé pour gendarme ou police. Et gendarme, il y avait eu un problème. Du coup, bah, j'ai décidé de laisser tomber D'accord. pour aller chez des dépanneurs. D'accord, très bien, très bien. Okay. Très bien, très bien. Bon, du coup, là, on arrive. Oui, je connais bien. Ah, Je bah suis oui, vous venez passé. souvent. Oui. On est habitué à Et vous voir, monsieur. Alors. sais pas comment je dois le prendre. Vous pouvez vous mettre, il y a des places de parking, vous vous garez là-bas, ça va? Bon, d'accord. Il était têche dehors, le pauvre. Non, mais là, Bah, il y a ici. des places à l'intérieur. Ah oui. Le Ah. Walker? Oui. Oui, Ah, monsieur. pardon. Ah! Hop. Le Walker? Oui! Monsieur, vous voulez bien sortir, s'il vous plaît? Où est-ce qu'il est, le monsieur, là? Ah, perte de connexion. Allô? Oh, shit. Oh, du coup, les amis, on se retrouve donc sur le serveur. Je reprends juste les fichiers. Je reviens, j'ai une petite coupure d'internet. C'est vraiment chiant, d'ailleurs, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. Après, là, on est occupé de regarder. Mais ça va aller, vous inquiétez pas, les amis. Ça va d'aller, ça charge. On arrive directement au QG. On reprend la formation. Ils sont là, ils nous attendent. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Normalement, ils devraient nous attendre. Si tout se passe bien, ils devraient nous attendre. Ah! Ok. Monsieur Baker. Bonjour. Enfin, rebonjour. Moi, je connais la plupart du gouvernement parce qu'on était tous sur une même île, tous ensemble avant. Oui, c'était comment ça s'appelait cette île déjà? Ah, vous êtes ici. Héron. Bonjour. Ouais, voilà. Rebonjour. Là, cette île bof, quoi. Voilà. Ah! Bonjour. Monsieur Rebonjour du coup. Lafaïs. Non, pas beau faillis. Qu'est-ce que vous venez, monsieur? Monsieur, Monsieur. oui, excusez-moi, j'ai eu un petit souci cerveau. Hein, voilà. Ce fut petit, mais ce fut de trop. Hein. D'accord. Bon, du coup, vous avez tout, vous avez la radio, tout ça. Oui, bah oui, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, pour commencer, il faut savoir que nous avons des interventions qui sont plus ou moins longues en fonction de la gravité. Voilà. La Hein? gravité. De la quoi? La La gravité de gravité, l'accident ou... Voilà, la gravité de l'accident, voilà, oui, bah exactement. oui. Alors,
Parfois, il faut sortir la dire, mais déploie un petit peu de tous les côtés. L'autre jour, par exemple, on a dû faire un balisage complet avec une déviation parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur la route. C'était un petit peu problématique. Mais du coup, voilà, c'est vrai que il a fallu quand même qu'on regarde à tout ça. Du coup, est-ce que vous connaissez un petit peu dans les dépanneurs? La dépanneuse, rien du tout, non. Un petit peu quand même, et travailler dans notre ville, dans la dire. À dire. Donc vous savez un petit peu comment ça Pas fonctionne, dépanneur, la d'accord. dire. Bah, je sais La comment faire le dire. balisage, tout ça. D'accord. Je vais quand même faire la formation pour les deux. Je vais juste revoir le portail. Tac. Ouais, j'ai dit un petit Du peu, mais coup, bon, voilà, j'étais chef de dire. je vais juste sortir un plus gros véhicule. Si vous pouvez vous mettre ici contre, ce sera plus prudent. Je vais sortir du coup un. Je vais sortir le masque. Viens de sortir le Renault 8 des panneaux, je suis sûr, c'est en train de faire. Hop. Ah non, un plus gros véhicule, un Oh bah minivan. c'est un trafic. Oui, j'ai pris un plus gros véhicule tout simplement parce que là-dessus il y a les flèches, etc. Du coup, c'est pour Y a vous pas les montrer. flèches au-dessus? En l'autre, c'est juste le petit truc, attention, bidule, bidule. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, moi je parlais du machin, le petit truc. N'hésitez Avec pas à les. monter dans le véhicule, les amis, les petits Ah, amis. cette fois il y a trois places. Oui, Ah, bien. effectivement. C'est mieux, hein? Ah, il est au milieu. Je suis serré. Allez, un panneau, j'adore. En plus, c'est comme les voitures de gendarmerie, de pompiers et tout. Là, ça s'allume. Oh, tu me touches la cuisse, ça Exactement. va pas. Ah, stylé, ça s'allume vraiment. Eh, pas mal, pas mal. J'aime bien. Ah, vous vous placez là? Non, j'essaie juste d'éteindre vos conneries. Ah, Ah, allez, d'accord. attendez, je fais. Vos conneries, c'est les conneries à qui, ça? Encore à l'autre? À moi? Ah oui, vous. Alors, du coup, Attendez, on arrêtez, va aller. arrêtez, arrêtez de toucher, je fais. Là, j'ai allumé. Là, pour moi, j'ai Qu'est-ce qui éteint. branle? Ouais, c'est Voilà. bon, il est éteint. Du coup, on va aller se mettre là-bas. Oui, d'accord, dans les champs. Ouais, D'accord. exactement. On va aller cueillir des patates. Alors, exactement, exactement. Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher le véhicule bleu là-bas? Enfin, votre véhicule, monsieur. Bah, c'est le tien. Si vous voulez bien, ce serait vraiment gentil. Du coup, oui, sortez du véhicule. Alors, je vais juste lui demander qu'il se mette derrière moi. Hein, voilà, ce sera plus simple. Bah, vous aimeriez pas avancer, hein? Attendez, attendez, attendez. Bah, on va voir s'il passe, après vous verrez vous-même. Voilà, Mettez-vous ici, 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 voilà. ici, monsieur, ici. Commence la formation, c'est tout Ah, lisse. c'est bon, stop, 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 c'est bon. Tranquillou, hop, on va mettre notre pied. J'arrive. Alors. Attention! On peut essayer de pas se faire écraser, ce serait mieux. Pas envie de mourir Bon, maintenant. il y a un agile, le petit bois. Bah, oula. Ah merde. Attention à ma mégane quand même, hein. Ma mégane! Ah, j'ai cru qu'il allait taper dedans. Alors, du Il a tapé. coup, messieurs, quand vous êtes ici. Vous êtes un petit peu trop près quand même. Ouais. Non, on n'est pas prêt, monsieur. Regardez, il y a de la Ah, place. bah, si, quand même, hein. Si, parce que là, s'il y a un mec qui vient taper, le véhicule, il va s'avancer, il va taper le véhicule, il peut Bon, l'accidenter. attendez, je vais reculer un peu. Eh, bah oui, c'est ça. C'est les stagiaires qui doivent apprendre. Ah non, mais c'est Voilà. ça! Bon, du coup, ce que je disais. Oui, Pour bon, comment ça va? commencer, on sort le triflash. Voilà. Le triflage des travaux, hein, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Exactement, hein, parce que c'est normal, hein. Ensuite, on déplie le FLR. Et là, tout dépend de votre endroit. Donc, par ici, par exemple, ici, on va faire passer sur la gauche. Donc, on va mettre la flèche à gauche. Hein, voilà. Ce qui est Ensuite, logique. si c'est un accident, vous pouvez choisir pour les petites écritures. Là, en dessous de la flèche, il y a des écritures. Vous pouvez mettre, par exemple, on va mettre ralentir accident. Voilà. Donc là, il met ralentir accident. Donc, vous pouvez choisir des flèches et un petit peu tout comme texte. Moi je Donc ça c'est connais, très mais c'est sympa. D'ailleurs, faut moi mettre je les connais le gyrophares truc, je vais aussi. la dire, mais c'est moi qui fais les textes en fait. Oui, je sais, mais ici on enfin il y Vous a des connaissez vite, propositions. sûrement c'est vous connaissez cette île. Où on choisit le texte et tout. Non, je connais pas. Enfin peut-être en Ouais, fait, mais gros, c'est on choisit le texte et on peut mettre 8 caractères maximum quoi. peut-être que je connais, peut-être. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut mettre des plots. Alors pour les plots, on met toujours. Bah, je vais vous laisser. Vous avez pris des plots avec vous? Comment on aurait pu prendre des blocs Comment on avec aurait nous? pu prendre des plots, tiens? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, je vais vous les sortir là, attendez.
Venez les chercher du coup. Par contre, c'est une très mauvaise idée de jouer avec les portes. Hein ? C'est pas moi qui ai ouvert. J'ai eu une très mauvaise expérience avec la porte de dos. Reculez, 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 reculez. Non, non, mais vous fermez la porte. Ah. Attention. Je peux pas la fermer, vous allez fermer le véhicule. Je peux pas capable de fermer une porte. En plus, il monte. Oh là là. Non, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec une porte du kangou là-bas. Il y a pas très longtemps. Bah, le véhicule a explosé, voilà. Pas sympathique. Normal. Du coup, je vais vous mettre les plots. J'en ai pris assez. Donc. Ah oui, d'accord. Mais on peut pas ramasser. Si, vous pouvez ramasser. Ah non. C'est quoi ça ? Vous n'avez pas déviation, rien ? Si, attendez, monsieur. Pourquoi je ne peux pas ramasser, moi ? Qu'est-ce que c'est, bordel ? Ah, oh putain de merde. Oh putain de merde. Aïe oh. Ça, ça fait mal, par contre. Heureusement qu'ils ne sont pas... en collision, j'arrive pas... hein. J'arrive pas à prendre, c'est quoi ce bazar ? Pensez à J et à... Bah oui, c'est ce que je pense, mais bon. Moi, je suis en train de les prendre, là, sans problème. Et vous pensez pire, à quoi ? En pire, on prend chacun I. Moi, je pense faites I, espace, vous faites... Ah oui, avec I, oui. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je l'ai trouvé. Au pire, on fait chacun notre tour, on prend chacun un peu. Alors, on va prendre ça. Oh my god, oh my god, les trois barrières. Ah. On va prendre ça. Pourquoi le tête bouge de tous les côtés là ? Oh là 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 là. Voilà, je sais pas pourquoi elle bouge, elle, mais je vais la reprendre. Si elle veut bien que je la reprenne. Attendez, c'est bon, je l'ai repris. Je l'ai repris sur moi. D'accord. Okay. Bon, du coup, une fois que vous savez tout prendre, plus ou moins vous séparez les cônes en deux. Top, top, ok. Il a enfin, tout embarqué. Tous les panneaux, etc. etc. Ah, moi j'ai tout embarqué, j'ai un de chaque. Ok. Ouais, du coup, c'est bon. J'ai deux cônes. Non, mais les cônes, vous pouvez en prendre plus. Hein. Les cônes, allez-y, allez-y. Les cônes, moi, il manque une barrière. Moi j'ai une seule barrière. Hein. Les barrières, on va pas les utiliser ici, donc ce n'est pas très grave. Mais... les barrières, c'est surtout quand il faut barrer les routes complètement. Donc vous mettez un panneau route barrée et puis vous. Vous mettez des barrières tout simplement. Bah, je crois que je suis bon, moi. D'accord, bon. Ouais, non, moi, il me manque encore un. Il faut savoir une chose, c'est que on met toujours deux plots après le véhicule endommagé. Donc, nous, on se met derrière. Donc, on va barrer. Donc, venez avec moi. Monsieur. Voilà. You. Du coup, on met toujours, si la voiture est sur la route, on bloque la moitié de la route et on met jusque deux plots devant le véhicule. Donc par exemple, on va mettre un cône ici et on va mettre un cône là. D'accord. Alors là, on n'a pas tous les mêmes expérimentations, mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, c'est ce qu'on m'a fait dans ma formation. Du coup, moi, je suis les instructions du chef. Hein. Ouais, voilà. Un cône là et puis vous mettez un cône un peu plus loin et comme ça, bah, c'est sûr que ça touche. Je vais le mettre puisque j'en ai que deux. Quoi. Vous pouvez mettre le cône là, ouais, voilà. Peut-être ici, ouais, voilà. Enfin, ouais. Ah non. C'est pas les bons. Ah oui, non. Voilà, nickel. Alors, de ce qui est des déviations, on met zone 30, etc., etc. Toujours mettre danger. Si on rétrécit la voie, bien affiché avec des panneaux rétrécissement de voie, indiquer avec la flèche bleue que, bah, tout simplement, il faut se déporter sur l'autre voie. Et toujours bien mettre, quand on a un accident, la zone 30. La zone 30, c'est beaucoup plus... c'est bien plus sécurisé. Oui. Du coup, là, ça sera une circulation alternée, puisque étant donné qu'il y a un petit ralentisseur là, à droite... Étant donné, vu que c'est un ralentisseur, il faudra mettre une circulation alternée, c'est-à-dire que il va falloir tout simplement que les gens fassent attention, parce qu'on n'a pas encore de feu portatif. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu dommage, d'ailleurs, mais on n'en a toujours pas. Mais c'est vrai que ce serait vachement pratique. Donc vous mettez après le deuxième là-bas, vous mettez un panneau danger en disant accident par exemple. Est-ce que j'en ai un au moins sur moi parce que... Tout simplement. Ah bon ? J'ai pas de panneau danger. Ah moi j'ai un panneau danger. Hop. Ah. Non j'ai pas de panneau danger moi. C'est pas grave, monsieur, c'est pas grave. J'en avais peut-être qu'un sur moi. Et très facilement. Ah non, j'ai pas pris un autre danger, moi non plus. Hein. C'est pas grave, j'en avais peut-être pas sur moi. Peut-être que je les ai tous utilisés. Non, rétrécissement, ça marche aussi. Hein. Rétrécissement, vous pouvez mettre aussi les flèches.
Et le truc pour se diriger vers la droite. Un truc que je pourrais mettre peut-être. Ah bah non, bien sûr, les mon cas. Après, si vous voulez faire plus simple, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des cônes en 4 fois d'affilée. Hein, c'est plus rapide et c'est assez utile, j'ai envie de dire. C'est assez utile. C'est vrai que c'est plutôt utile. Ah, c'est celui-là. J'ai juste envie de faire ça comme ça. Ouh là là, là. Non, c'est... Ouais, ça va, quoi. Comme ça. Très ici, parce que sinon il va se mettre dans l'autre encore. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et donc, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, ben, il faut... Après, ça dépend des accidents. Hein. S'il y a des accidents, il y a deux véhicules, ou s'il faut blarer complètement les routes, tout dépend de... Enfin, tout dépend de l'accident, en fait. Donc, c'est vrai que pour ce qui est du balisage, c'est vraiment en fonction de l'accident. Après, les flèches, etc., c'est vraiment le truc le plus important pour prévenir. Surtout la nuit, c'est très, très, très pratique. Après, c'est bien aussi de mettre pour ça. Info, Simon, vous pouvez reprendre les plots, hein, c'est bon. Après, normalement, c'est aussi bien de mettre ça un peu de loin. Ouais. Et c'est vrai qu'il nous faudrait aussi des plots lumineux, mais ça on en a toujours pas, parce que la nuit ça se voit pas très fort. Vous pouvez reprendre vos plots, vous pouvez reprendre vos plots. C'est ça que les codes drapeaux, c'est... Vous pouvez reprendre vos plots, monsieur. Ah d'accord, ok. Bon, bah je les ai posés pour rien, oui. On met tout ici? Ouais. Si vous voulez bien. Ben, attention le petit bordel à l'extérieur, hein, voilà. Voilà. Et pas de gilet dire. Alors, les gilets dire, en fait, quand vous êtes en formation, on n'a pas le droit de vous en donner. Mais vous, vous en avez pas? Si, si, moi j'en ai, ça c'est le... ça c'est mon... c'est ma tenue dire, monsieur. Mais le gilet, c'est pas le gilet dire. Non, le gilet, c'est pas le gilet dire parce que j'ai tout simplement pas pris le temps de prendre le gilet dire. Ah, parce que je croyais que vous avez juste regardé. Non, non, vous inquiétez pas, normalement on en a. On est. Donc voilà. Des sacs invisibles, oui, des sacs invisibles, comme ça on voit pas votre sac à dos et on voit votre truc dire. Je sais, mais ça. L'île est nouvelle, hein, donc on peut pas. Ah, mais la police, ils ont ça, c'est pour ça. Ah bon, bah oui. Ouais, je sais. Bah, il faudrait le dire au gouvernement du coup. Bon, donc, vous pouvez rentrer votre voiture dans le QG. Je vais sortir une dépanneuse et on va aller faire un. Non, laissez-la là. Laissez-la là, la voiture. Parce que c'est vrai que pour la dépanneuse, ce sera plus simple. Hop. Ça, c'est un reste là pour le balisage au cas où il y a un mec qui parle. Ouais. Pas faux. Donc, moi, je vais vite sortir. Attendez-moi, je vais vite sortir un plateau. J'arrive. Cool. Du coup, les amis, voilà. C'est vrai que. C'est assez cool, une petite formation là donc du... Et c'est vrai qu'il y a une... J'utilise beaucoup mon truc là, j'ai remarqué. Hop. Putain, j'ai eu peur. Donc nous on va... Ah ouais, il y a un plot. Il n'a pas touché. J'ai pas touché. Il faut savoir qu'on a que cette dépanneuse qui est pratique pour les voitures. L'autre dépanneuse, on a une Volvo qui est beaucoup plus jolie, mais malheureusement, elle ne prend pas les voitures sur le plateau. Elle ne prend que les petits quads, etc. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, on peut pas faire grand chose. Alors, quand vous arrivez ici... Vous n'avez pas les câbles ? Si, si, justement, il faut aller prendre les câbles. Mais je vais vous laisser faire, hein. Donc vous allez prendre les câbles... Pour remorquer des véhicules comme ça, non ? Il n'y a pas sur cette île ? Non, il n'y a pas sur cette île. Ah, dommage. Malheureusement, tout n'est pas encore poussé à fond. Donc il faut aller faire genre si on prend les câbles, hein, voilà. Hein, on va dire ça comme ça. Il faut plutôt... Ah non, on peut pas monter, c'est vrai. Non, on peut pas monter. Avec l'autre île.
Donc vous pouvez le faire, accrocher la voiture. D'accord, j'ai ma tête dans la dépanneuse. Donc voilà, vous pouvez aller accrocher donc le véhicule, du coup. Et c'est une option. Ah, je mets le câble, hop, j'enlève la voilà. matriculation pour le mettre. Ah, t'as pas de crochet à côté, toi? Ah non, bon, c'est derrière la plaque, c'est... Voilà, la voiture, elle est bizarre. Voilà, j'accroche. Comme au bled. Bah, la voiture, elle vient du Portugal, j'ai envie de te dire, elle vient du bled. Alors, très important, ne jamais faire descendre la voiture de la dépanneuse. Toujours ouais. aller dans la voiture pour décharger, ou sinon, ça peut vite exploser. Ouais, parce que la voiture, elle se met n'importe où. Voilà, exactement. Donc là, je vais laisser quelqu'un aller dans la voiture pour charger le véhicule. Hein. Je vous en prie, monsieur. Ah ouais. Bah, tu vas pas. Ça fait exploser, c'est pas mon problème. Par contre, je vais m'écarter. Elle est pas soudée. Ah bah là, j'ai peur. Ah bah le. Bon là. Voilà. Alors, une fois que la voiture est sur le plateau, ne pas oublier de mettre ce qui est des. Mettre. Merde. Allumer les projecteurs pour mieux voir, monsieur. Allumer les projecteurs, effectivement. Accrocher les roues avec des. Avec des sangles. Bien voilà, évidemment. Attendez, je vais toujours. Chercher les sangles dans la boîte. Hop. Accrocher sangle, hop. Un petit peu d'aide, ça serait pas de refus, monsieur. Oh là 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 là. C'est pas possible, ça, mais je vous... Regardez-moi ça. Voilà. C'est du joli, c'est du joli. Voilà, et une fois que la voiture est là, sur le plateau, vous avez soit, si la police vous dit de l'emmener au commissariat, ben vous l'emmenez au commissariat, ou alors c'est au QG, là-bas... sur les places de parking avec un plot devant pour dire qu'elle est exactement qu'elle est immobilisée. Voilà voilà. Moi je connais tout. Effectivement effectivement. Bon moi c'est pas le tout mais je vais devoir rentrer chez moi vu qu'il se fait tard là. Donc attendez monsieur. Et non regardez juste, ne vous inquiétez pas. Du coup notre formation. Bah du coup votre formation est finie avec normalement si vous avez bien retenu c'est fait avec succès donc je vais transmettre ça à Monsieur Delporte voilà et donc voilà vous allez être prêt je sais pas du tout quand vous allez pouvoir venir en tant que dépanneur sur l'île je contacter Monsieur Callot voilà c'est ça le colonel des pompiers d'abord contacter Monsieur Johan Monsieur Delporte voilà ensuite faire ça. Alors, je vais vous laisser descendre la voiture. Hein. Là, j'ai pas envie de mourir. C'est la voiture du bled, attention. Putain. Ah oui, effectivement. Oui, voilà, voilà, c'est toujours mieux. Et avec quand on la descend de la dépanneuse, c'est encore pire. Donc voilà, moi je vais rentrer les véhicules. Je vous contacte. Enfin, Monsieur Delporte va vous contacter dès que c'est possible. Donc voilà. Monsieur voilà. Flo. Montez. Vous voulez pas me déposer au concessionnaire Audi? Pas de problème. Merci. Au revoir. Quoi? Eh ben là, il faut qu'on aille... Voilà, nous les amis, du coup, on va se laisser là-dessus. Voilà, petite formation des familles. Moi, désolé du gros blanc, là, mais c'est vrai que j'étais un petit peu dans la lune. Moi, voilà, vous avez eu une formation, un balisage, etc., etc. Donc, c'est plutôt sympathique. Je vais déjà replier ça. Je vais déjà éteindre ça.
s'il veut bien. Replier le triflash. Et voilà. Hop. je sais que j'ai géré. Bon, écoutez les amis, petite formation, hein, voilà. Moi je vous dis, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Désolé pour les accidents, mais c'est vrai que je me grouille un peu parce que je suis un peu pressé. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était Borom. Allez, à plus tout le monde. Plus.